Bonjour, chers amis téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour notre émission de juillet. Nous avons aujourd'hui décidé de discuter, nous sommes quatre, cinq sur le plateau, de discuter de, si vous voulez, de la venue d'Alain Mamanko à la Martinique et des réactions que cela a provoquées ou des réflexions que cela a provoquées chez nous parce que le titre de son ouvrage dont nous allons parler donc, est Le sanglot de l'homme noir. Le sanglot de l'homme noir, vous le voyez là. Et le titre de la conférence qu'elle était appelée à donner était Pour en finir avec les sanglots de l'homme noir. Et ces deux titres, ces deux intitulés étaient si proches que j'ai cru moi-même à un moment que le titre de son ouvrage était Pour en finir avec les sanglots de l'homme noir. En réalité, donc, c'était le titre de sa conférence et il était invité donc, par l'association Tous Créoles pour donner cette conférence à Batelière. Et nous avons donc en partie assisté à cette conférence. Nous l'avons entendu auparavant à une émission produite par Zouk TV et nous avons eu le temps donc de nous, j'allais dire, de nous émouvoir de certains de ses propos. Donc cet après-midi ou ce soir, peu importe le moment où vous regardez l'émission, le contenu sera le même, nous allons parler donc de vous proposer une réflexion, bien sûr, autour de cet ouvrage, Le sanglot de l'homme noir, mais surtout analyser la posture des intellectuels noirs d'une manière générale, qui sont, je crois, les spécialistes de cet exercice qui consiste à aller dans les médias, aller dans les sphères où se trouvent les intellectuels européens, occidentaux, et voilà, déclamer sur leur peuple, leur faire tous les reproches imaginables sans se préoccuper de choquer, de blesser, de gêner. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi facile de parler sur le noir sans se sentir culpabilisé ou sans craindre de provoquer la colère des siens? Et si la colère vient, pourquoi est-ce qu'elle n'inhibe pas davantage les personnes qui se prêtent à ce type d'exercice? Voilà, donc pour nous, cette venue de M. Mabankou, qui nous a copieusement, qu'est-ce qu'on va dire, arrosé de ses propos négationnistes ou afro-pessimistes, dirons-nous, eh bien, est l'occasion d'une réflexion donc, sur le rôle des intellectuels. Donc cet après-midi, je vous propose de discuter avec Milka Valentin. Voilà. Présente un petit peu. Alors, Milka Valentin, je suis maître de conférence en civilisation hispano-américaine et caribéenne sur le campus à Schœlcher. Mmh. Et donc, je travaille donc sur les thématiques qui sont relatives à notre histoire et à notre peuple. Voilà. Merci. Dominique Moulotuka, je suis avocat au barreau de Fort-de-France et je suis président de l'IREA, l'Institut de recherche et d'études de l'histoire des Amériques. Mmh. On a aussi alors deux personnes qui ne se revendiquent pas d'être universitaires, mais qui sont voilà, des paroles fortes non, aussi. Voilà, Zéphir Jean-Michel, donc mon nom d'auteur c'est Jérémy, donc théologien, écrivain. J'écris effectivement des thématiques, des remises en question sur la vision donc eurocentrique du christianisme. Voilà. Mmh. Et Philippe Siméon, donc responsable d'une petite entreprise en Martinique, mmh. et d'être en libre aussi. Et donc je suis membre du comité national pour les réparations. J'agis au sein de ce comité en tant que trésorier du comité national et également responsable de la communication. Mmh.
Alors, nous ne sommes pas forcément une assemblée de spécialistes qui viennent casser du sucre sur le dos de M. Mabankou, mais nous voulons, parce que Mabankou n'est pas le premier, il y a eu d'autres auteurs qui ont écrit sur le sanglot de l'homme noir. Alors, il n'est pas tout à fait africain celui-ci, mais c'est un monsieur Philippe Lavigne Delville qui a également écrit Le sanglot de l'homme noir bien avant Mabankou, et c'était dans les années, donc en 1991, un article que vous trouvez de la revue Percé, en tapant sur Internet, que vous trouverez, et son titre c'est Le sanglot de l'homme noir. Donc on est un peu dans le même propos, et cet auteur-là s'appuie sur l'ouvrage d'Axel Cabot qui a été dans la même posture que Mabankou, sauf que Mabankou, on va essayer de le voir quand même, c'est plus ambigu, parce qu'on a l'impression qu'il, dans quelques pages de son livre, qu'il crache véritablement sur l'homme noir, et puis le contenu, le reste du livre, à part ces quelques pages, le reste du livre, c'est un plaidoyer pour sa francité, pour l'intégration, pour un regard sur l'Afrique colonisée, où on n'a pas le sentiment justement qu'il est vraiment complètement anti-africain. Donc c'est très ambigu. Par contre, ce texte de la vigne d'Elville est vraiment très très dur envers les Africains. Il y a d'autres personnes qui ont écrit, d'autres auteurs africains qui se sont prêtés à cet exercice d'écrire des livres qui ont des prix que les Européens, les Français notamment, récompensent et qui leur donnent donc de la légitimité. Ça évite effectivement que les Français ne regardent leur comportement colonialiste en Afrique, et puisqu'il y a des Africains qui veulent bien se prêter au jeu de dénoncer les Africains, c'est-à-dire de faire porter aux victimes la responsabilité de tous les maux de l'Afrique, alors qu'on connaît la Francafrique, on connaît sa présence, on sait que tous les pays africains ont au moins un contingent de l'armée française, que les bases militaires des Européens sont en Afrique, les Africains sont sous contrôle. On a quand même beaucoup de gens, on trouve quand même des Africains pour dire que, oui, c'est vrai qu'il y a des dictateurs en Afrique, mais c'est parce que les Européens les portent aussi en Afrique. Les peuples font des choix qui se trouvent déchus et qui se trouvent déviés par des choix plus puissants qu'ils ne peuvent pas empêcher. Donc il y a des vérités historiques que nous voulons vous dire, mais il y a surtout le fait que aujourd'hui, comme nous vous le disions dans la dernière émission sur les réparations, nous ne voulons plus laisser dire dans l'espace public autant de mal que cela, que les gens qui se déversent dans les médias en disant tout et n'importe quoi sur le noir ou l'Africain de manière complètement essentialiste. On ne sait pas ce qu'il y a dans ça. Il y a des Africains qui se battent et qui sont tués. Il y a des Noirs qui se battent et qui sont tués. Il y a des Africains qui vendent leurs frères. Il y a des Noirs qui... Alors, qu'est-ce que c'était que ce Noir ou cet Africain dont Mabankou est venu nous parler? Et pourquoi est-ce que les gens qui l'invitent ont tellement éprouve tellement de satisfaction à faire parler de cette façon-là sur le noir, alors qu'ils sont censés être dans une démarche de pacification, puisqu'ils veulent une société pacifique pour que l'économique, le tout économique, se réalise dans une société justement pacifiée. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de retenue à venir, à inviter des gens qui viennent, j'allais dire, cracher sur leur peuple, parce que c'est cela qui se passe. Donc, nous allons interroger tout ça et nous allons, prendre Mabankou comme un souffre-douleur, mais nous allons essayer de voir les contradictions du personnage aussi, comme celles d'autres auteurs qui ont écrit sur ces thématiques. Alors, donc... est-ce que sur cette problématique-là, vous voulez vous prononcer sur le fait qu'on n'est plus d'accord de laisser dire comme ça
que les Noirs sont ci, les Noirs sont ça, alors qu'il est évident qu'ils relèvent, ils sortent de tout récemment de drames, de cataclysmes que peu de peuples auraient supportés. Ils s'en sortent. Et pourquoi est-ce que cet acharnement se perpétue contre le peuple noir, entre guillemets, puisque c'est comme ça que Mabankou l'a abordé? Eh bien, j'abonde dans ton sens, Juliette, parce qu'effectivement, je crois qu'il faut arrêter ce genre de discours, parce qu'effectivement, on voit le mal que cela fait autour sur justement la persona, le personnage du noir ou la personne du noir, parce qu'effectivement, lorsque ce discours est porté en plus par quelqu'un de la communauté, même s'il dit ne pas être dans la communauté noire, ce discours est encore plus marquant, et je crois qu'il correspond vraiment aux attentes de ceux qui l'invitent. C'est-à-dire des attentes justement qui sont nées pratiquement avec la colonisation, c'est-à-dire se servir de noirs pour s'opposer à d'autres noirs ou pour affronter d'autres noirs. Et on est exactement dans l'opposition nègre-créole, nègre-bossal. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a ici une dichotomie qui se fait et qui fait que justement celui qui vient porter le discours, ici ce monsieur comme un nègre-créole, vient nous dire qu'effectivement l'Afrique, le nègre africain, le noir, qui serait pas en l'occurrence ici ce nègre-bossal, eh bien c'est lui qui est responsable de tous les maux pratiquement du nègre. Et qu'il faut donc absolument que nous arrêtions ce type de discours, parce que l'histoire nous donne des éléments, les archives nous donnent des éléments qui nous permettent justement aujourd'hui de stopper ce discours. Et d'analyser autrement, plus rationnellement. De façon plus rationnelle, absolument. De façon plus fine surtout, l'histoire en elle-même. Voilà. Okay. Dominique veut dire quelque chose? Je veux dire à ce sujet, recoupe ce que Milka vient de dire, à savoir que lorsqu'on écoute le discours, ou lorsqu'on lit en fait ce que ces gens écrivent au sujet de notre histoire, lorsqu'on prend en considération leur analyse, on constate bien que, en effet, ce ne sont pas des analyses étayées de manière scientifique. C'est-à-dire que nous sommes en fait dans l'opinion. Oh. Et ces gens assènent l'opinion. Et en assénant l'opinion comme ils le font, ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir capter qui? Non point ceux qui sont éclairés, non point ceux en fait qui ont, je dirais, pu avoir accès à la connaissance, mais précisément, ils pensent qu'ils peuvent convaincre ceux qui se contentent, hein, des points de vue des uns et des autres sans aller plus loin. Et en l'occurrence, ce monsieur Mabankou procède de la même manière que les autres, à savoir qu'il est venu. Alors, il convient en effet d'analyser sa raison, la raison de sa venue ici, parce que c'est très circonstancié et ça a des objectifs bien précis. Et lorsqu'on entend, parce que j'ai pu l'entendre à la télé, hein, sur Zouk TV, une émission dans laquelle en fait il avait été invité, eh bien j'ai pu constater combien en fait son discours était idéologique, mais surtout était fondé sur l'espoir de tromper les gens. C'est-à-dire que, étant donné qu'il a exclu l'approche scientifique de son discours, étant donné en fait que en effet il revient avec les clichés et qu'il considère en fait que ces clichés sont suffisamment présent sur dans les esprits des Noirs, eh bien ils pensent pouvoir les réactiver ainsi et pouvoir en fait conduire les individus en fait à ces anciennes croyances, en tous les cas à une mentalité qui est finalement, et c'est ce que j'insisterai là-dessus, qui est finalement aujourd'hui dépassée. Mais c'est une mentalité dépassée, c'est-à-dire celle de la mentalité du créole. Hein? La mentalité du créole est dépassée, c'est-à-dire en fait le noir qui finalement se contentait de répéter
les préjugés que les colons, que les blancs avaient sur eux et de se tenir en fait vis-à-vis de ces préjugés comme des gens qui se tiennent devant la vérité. Là aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À savoir que ces mensonges, ces préjugés sont battus en brèche. Et en effet, nous avons une somme de connaissances scientifiques aujourd'hui et à laquelle on peut avoir accès à travers des documentaires à la télé, sur Internet, et des ouvrages que nous écrivons les uns et les autres, etc. Et à travers aussi des émissions de télé ou de radio très, très sérieuses où en effet, les gens entendent et comprennent. Et donc, il y a une concurrence aujourd'hui. Contrairement à hier, en fait, c'était la toute puissance de la colonisation où, en effet, nous n'avions pas cette liberté de nous exprimer, de dire, voilà, etc. Eh bien, voilà, aujourd'hui, il y a une concurrence. Et c'est cette concurrence, en fait, qui est réelle et qui est puissante. Parce qu'il faut le dire, lorsque l'association Tous Créoles considère, en fait, qu'elle a besoin pour pouvoir nous tromper, pour pouvoir couillonner, en fait, le peuple martiniquais, il a besoin de renfort, cette association a besoin de renfort, hein, de faire venir des gens. C'était M. Bosselnik à un moment donné, avec la résilience. Et nous savons en fait, qu'en effet, qu'à l'issue en fait, de son intervention, il a dû reconnaître qu'il ne connaissait rien ici et qu'il avait quelque part été finalement manipulé. Et nous entendons le même discours en fait, chez ce monsieur Mabankou, suite en fait, je dirais, aux réactions des uns et des autres, notamment dans le cadre en fait, de la réunion qui s'est tenue dans un hôtel en Martinique. Eh bien, là aujourd'hui, ils sont à bout, ils sont essoufflés et ils cherchent par tous les moyens de renverser une dialectique qui est logique. La vérité triomphe. Et nous sommes sereins à ce sujet. Et en effet, c'est avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect que nous, en effet, nous continuons, comme nos ancêtres, en fait, à faire valoir cette vérité-là qui est évidente et qui aujourd'hui est incontestable. Cependant, il est clair que nous devons occuper les espaces où l'opinion pense pouvoir, en fait, venir et s'approprier parce que nous serions, en fait, absents. Non, nous sommes présents et c'est le cas ici. C'est ça, c'est-à-dire qui a les médias, qui possède les médias, possède aussi le moyen de véhiculer le discours que dont s'approprient les masses, parce qu'il n'y a pas de discours contradictoire. Mais alors, dans ce que vient de dire M. Monotuka, il y a la question de pourquoi Mabankou est invité ici, à la Martinique, et maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la société qui justifie qu'on ait besoin d'inviter ce monsieur? Donc, 2 ans après Boris Cyrulnik, vous vous rappelez que Boris Cyrulnik était porteur du même message messianique. Il ne nous a pas craché dessus comme l'a fait Mabankou, d'une certaine façon, mais il était en toile de fond, le discours est messianique. On veut la paix, on veut la paix sociale, on veut pacifier la bande de sauvages que nous continuons à être ou pour laquelle nous continuons à passer, mais la manière de le faire est très brute et très brutale, puisqu'on juge que nous ne sommes pas des gens assez sensibles, assez élégants, assez élevés, assez etc. pour qu'on nous traite autrement. Donc on nous fout de la pacification au lieu d'établir avec le peuple le dialogue qu'il faudrait dans le respect et dans la dignité. Donc, ce souci-là étant aujourd'hui le nôtre et dans l'échelle de... Comment ça s'appelle l'échelle des besoins de... Je ne sais plus. Non, l'échelle des besoins. Il y a d'abord remplir son ventre et puis manger, etc. Et puis, une fois qu'on a... pour le moment, je crois que les supermarchés nous remplissent assez. Donc, il y a une partie de nous qui a envie d'autre chose que plein boudin. Et on a envie, donc, d'accéder à l'esprit, à la dignité, au respect. Donc, on a besoin de valeurs plus hautes. Et on aimerait que les gens qui nous proposent la pacification, eh bien, que ces gens-là tiennent compte de ces besoins-là chez nous, besoin d'être traités, non pas comme des sous-humains à qui on fout les choses, mais des humains avec qui on discute des choses. Voilà. Est-ce qu'on peut entendre Jérémy? Alors, je voudrais revenir sur le titre du livre, Le sanglot de l'homme noir, que je crois qui est en complète contradiction avec la réalité actuelle. Je crois qu'il ne faut pas confondre une revendication. L'homme noir est plutôt dans une revendication de justice
hein, de réparation, effectivement, qui sont justement les préalables à une paix véritablement solide. Et donc, par conséquent, il n'est pas en train de pleurer. De pleurnicher. Il revendique ses droits et sa justice, que non seulement, je dirais, Dieu lui a donné dès l'origine, hein, mais que déjà en 1848, il aurait dû avoir exigé, au lieu effectivement, quand on est venu lui dire, voilà, ça y est, vous êtes libre, hein, il aurait dû dire, pas à ce prix-là, nous voulons effectivement que justice et réparation soient faites, et pourquoi on a loupé le coche, je ne sais pas, mais en tout cas, la preuve est là que lorsque justice et réparation ne sont pas faites, eh bien, le mal perdure et le mal s'intensifie, continue à vivre et à produire donc ces poisons, ces mauvaises racines. Et donc, par conséquent, le problème est obligé de reparaître et de rebondir. Et par conséquent, l'homme noir n'est pas en train de sangloter, mais de demander que justice soit faite. C'est-à-dire, si... à la limite, il aurait fallu qu'il accepte son esclavage, toutes ces formes de domination, sans se plaindre. C'est ça? Alors, c'est ce qu'on lui demande. Alors, mais le fait est que, si on regarde bien, par exemple, les... différentes sociétés qui ont subi la colonisation. On va voir par exemple les Amérindiens, on va voir les aborigènes australiens. Qu'est-ce qu'on constate? Lequel qui a, je dirais, qui a le mieux rebondi tout seul, oui, jusqu'à présent? Absolument. C'est l'homme noir. Les autres ont disparu. Les autres sont en train de disparaître, sont en train de se dire, voilà, suivons l'exemple justement des Noirs qui, eux, n'ont pas attendu et n'ont pas pleurniché, justement, se sont mis au travail pour se former, pour arriver à quelque chose, n'ont jamais cessé de résister, et aujourd'hui continuent à résister parce que, effectivement, justice ne leur a pas été faite et on ne peut pas partir sur une paix. Alors qu'on n'a pas ouvert le dossier vérité, les dossiers vérité et justice et réparation, et puis on va prétendre d'un coup comme ça qu'on va brûler ces étapes-là et passer donc à la paix. On parlait effectivement de la médiatisation. Mais la société martiniquaise, c'est une société relativement pacifiée. C'est une société, je veux dire, si les groupes avaient ce même instinct de combat que certains d'entre eux, de chez nous, on se serait tapé à longueur de journée sur la gueule. Et je crois que la société martiniquaise est parfaitement pacifiée, qu'elle vit, qu'elle a fait sa résilience, s'il fallait parler de résilience. Et donc, elle n'est pas redevable. Ou en tout cas, elle n'a rien appris des autres de ce côté-là. Tout à fait. Et je dirais même que Dominique parlait tout à l'heure effectivement du fait que maintenant qu'on a la possibilité de publier, de dire, d'écrire, etc., justement, nous avons toujours revendiqué le dialogue et nous dialoguons. Nous sommes prêts à dialoguer, à parler, mais nous voulons poser des fondements de vérité, des choses qui sont vraiment fondées sur des faits historiques, scientifiques. Si l'histoire dit qu'effectivement nous avons souffert sous le fouet et que nous avons donc eu un certain nombre de souffrances, il est normal que ça fasse partie de l'histoire et qu'il faille le dire, et voilà. Et, oui. Si je prends par exemple l'histoire des Noirs américains, justement. On leur impose un système, la ségrégation, et ils se tairent, ils se cachent, et justement, c'est là qu'ils sanglotent. Hein? Et un Martin Luther King qui vient dire, bon, arrêtez de vous tairer, il faut qu'on sorte et qu'on agisse, il faut qu'on renverse ce système. Donc il passe à la revendication. Ça veut dire que, en quelque part, ceux qui aujourd'hui acceptent de supporter un système
justement, qui leur imposent des limites qui sont les petits vecteurs qu'on permet justement aux Noirs de voilà. Alors là, je pense que justement, ils sont dans cette mauvaise posture dans laquelle étaient donc ceux à qui la ségrégation était imposée et qui se tairaient parce qu'il y avait la violence, la peur et tout ça, et qui se sont affranchis de leurs craintes et qui ont décidé effectivement de revendiquer, de parler, de dire, de poser les problèmes. Et donc l'homme noir n'est pas pour moi dans le sanglot, dans la revendication. Oui, la question c'est pourquoi est-ce qu'il le dit et comment est-ce qu'on va le voir tout à l'heure. Au fond, comme je pense que ça peut être un argument de vente, ça peut être aussi une demande de la société qui lui donne des prix littéraires, parce qu'il y a une problématique noire en France qu'on ne veut pas voir émerger, et les Français sont très mêlés avec ça, et le cran qui porte cette demande-là est très largement combattu. Mais il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans cette manière que Mabankou a eue de venir de déblatérer des propos délibérément offensants sur le noir ou l'africain, mais il n'a pas défini qui c'était. On a entendu dire qu'il est peut-être petit-fils de négrier, mais on a envie de dire que c'est précisément si les négriers nègres ont existé, comme on le dit, eh bien Mabankou a bien joué le rôle du négrier qui vend ses frères, comme il l'a fait ce week-end dernier, enfin, donc le 14 juin 2014, donc il a vraiment joué le rôle de vendeur, de nègre qui vend ses frères et qui vient devant des gens qui lui applaudissent, on n'a pas eu l'impression qu'il nous du bien, parce que comme ils applaudissaient à chaque salissure, à chaque crachat, je veux dire, même par respect pour nous, si on était vraiment dans une démarche de pacification, on n'aurait pas applaudi à des choses aussi sordides, parce que un peuple n'est pas ça, on ne crache pas comme ça sur les gens aussi ouvertement. Il y a un manque d'éducation, il y a le fait qu'on se sent impuni parce que les blancs sont tout puissants là, qui vous ont invités et qui se cachent derrière une association. Il y a énormément de sentiment d'impunité et cette manière de se comporter avec tout un groupe humain qui est quand même majoritaire dans ce pays-ci nous montre le peu de respect qu'on nous porte. Et bien aujourd'hui, nous montons au créneau et nous disons qu'à ces gens-là qui viendront chez nous nous tenir de tels propos, nous dirons que nous ne voulons pas d'eux et que nous ne leur permettons pas de nous parler sur ce ton-là, et que ceux qui les invitent et qui veulent la paix, eh bien qu'ils la gagnent véritablement et qu'ils nous montrent que c'est vraiment la paix sociale leur souci. Sans le respect de nous autres, elle ne se fera pas, cette paix sociale-là. Alors, Siméon, qu'est-ce que vous dites? Je prends le relais de ce que tu viens de dire, Juliette, en disant que ceux qui veulent justement la paix, qu'il la mérite. Il faut qu'il la mérite. Et ça rejoint parfaitement ce que Jérémy vient de dire tout à l'heure, à savoir que nous avons quand même des démarches initiatiques à mettre en place avant cette paix, avant d'atteindre cette paix. C'est d'abord de réclamer, d'exiger la vérité. La vérité, c'est, je dirais, le pendant de la réconciliation. On ne peut pas dissocier ces deux démarches-là. Et on va nous mettre charrue de bon bœuf. Il faut d'abord passer par l'état de vérité. Parce qu'il y a une fascination pour l'Afrique du Sud qui est arc-en-ciel. Comment est-ce qu'elle est l'expression? Oui, un pays arc-en-ciel. Pays arc-en-ciel. Arc-en-ciel, mais ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail sous la direction de Desmond Tutu et Nelson Mandela. Ils ont mis en place d'abord la conférence vérité. Vérité, vérité, mais vérité, ça voulait dire tout. Hein. Ça voulait dire foncier, économie, mauvais traitement, justice, oui, tout. Hein. Emprisonnement illégal aussi, tout bel attardé. Et puis, après, ils ont effectivement franchi l'étape de la réconciliation. Donc, on va faire la paix. Mais on a réglé les gros dossiers avant. Je voudrais revenir sur le début de la manipulation lors de cette conférence à Matelière, le 14. Jeudi dernier. Mabankou a commencé, monsieur Mabankou, Mabouna Batoui, a commencé par se dédouaner en disant que, oh oui, vous savez, moi je viens
ici, de ma propre initiative, je prends la décision, j'ai pris la décision, et d'ailleurs, Adam Squatté a appuyé ça en disant oui, effectivement, tu nous avais, j'ai le truc qui était vraiment bien monté, hein, tu nous avais signalé que depuis janvier que tu serais venu en Martinique et tout. On ne lui avait pas demandé. Personne ne lui avait demandé jusque-là qui l'avait invité. Personne. Il a pris l'initiative, en entrant dans sa conférence, d'annoncer que c'est lui-même qui a décidé de venir. Ça démontre bien qu'il y avait souci de tromper. Mais il a été accompagné par M. de Jaham, qui est président, co-président de tous créoles. C'est un signe de... C'est un signe qu'il avait été parfaitement invité et qu'il était... Effectivement, l'invité de tous créoles. Vous avez connu des occasions où des béquets sont assis devant des intellectuels martiniquais pour écouter ce qu'ils ont à dire. On a invité, il y a quelques années en Martinique, le professeur Théophile Omenga. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un égyptologue. Je ne parle beaucoup de béquets, ni au conseil général, ni à la bibliothèque chercheur. À aucun endroit où Théophile Omenga Il y avait du monde. Je n'ai pas vu du béquet. C'est un discours qui ne les intéresse pas. Voilà. Je n'ai pas non plus vu beaucoup de béquets, ni assisté à des conférences de Tchekan Tadio, par exemple. Ou quelle qu'elle soit. Quand il est à la Guadeloupe. Il y en a beaucoup qui viennent ici à Martinique. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui viennent ici à Martinique. Je ne vois pas beaucoup de béquets. Donc nous étions effectivement étonnés par cette démarche de M. Mabankou qui consistait à dire que oui, voilà, je viens... Mais nous savions très bien qu'il avait été payé pour cela. Parce que le fait de dire au préalable, en entrant dans sa conférence, qu'il n'était pas invité, mais qu'il avait décidé de venir demander, ça démontre très bien qu'il y avait effectivement une démarche qui consistait à dire aux gens, ne vous inquiétez pas, je suis un homme libre, personne ne me tient, j'agis en toute... Mais il avait dit autre chose à l'émission qui a eu lieu sur Zouk TV, qu'il était l'invité de la Martinique. Enfin, c'est la société qui l'invitait. À aucun moment, il n'a admis qu'il était invité par tous créoles. Mais cela même est problématique. Absolument. Cela même, parce que s'il n'était pas au courant des débats conflictuels qui nous séparent, il n'aurait pas caché le nom de l'association qu'il invite. Donc il y a bien quelque chose de là dont il s'est rendu complice. Absolument. Alors moi je dis la chose suivante, c'est que la démarche de M. Mabankou est cynique. Pour moi c'est une démarche cynique. C'est une démarche qui est sale. Elle est vraiment sale. Il n'y a pas d'autre... C'est vraiment le sentiment que j'ai eu samedi dernier. Une démarche sale, cynique. Une démarche incohérente également. Une démarche complètement incohérente. Sachant que tous créoles a déjà essuyé plusieurs échecs en tentant de nous faire avaler la couleuvre de la paix. Plusieurs fois, ils ont essuyé des échecs. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui voyant le fonctionnement en interne, découvrent que ce n'est pas ça le vrai combat. Et qu'il y a certaines personnes qui sont même au combat auprès de Garcia Massa en ce moment, qui étaient à tous créoles là-bas. Donc, par conséquent, nous avons affaire à une véritable entreprise de manipulation, mais de haut niveau, avec des gros moyens. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment aujourd'hui activer tous les outils qui sont à notre disposition pour dénoncer cette entreprise-là, pour casser la logique qui consiste à manipuler la population et particulièrement manipuler les intellectuels. Parce qu'il y avait quelques intellectuels samedi dernier à Batelière. Mais ce qui a fait notre admiration, c'est cette jeune intellectuelle martiniquaise, jeune pousse, je dirais, une jeune promesse martiniquaise, qui a fait le déplacement exprès, nous a-t-elle dit. Une politologue, philosophe, qui travaille en collaboration avec le CNRS. Mais qui a malheureusement refusé de venir à l'émission. Malheureusement. Parce qu'elle est occupée. Absolument. Ouais. Elle est venue pour dire la chose suivante. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'outils indispensables aujourd'hui, avec tous nos experts, pour pouvoir contrecarrer cette affaire-là. Il venait dire la chose suivante, c'est que l'acte de samedi dernier était un acte parfaitement politique. Et politique. C'est un acte parfaitement politique. La démarche était savamment bien préparée, dans ses moindres détails. Depuis la communication... Permets-moi de lire. Oui. Je suis venu dire ici... en tant que politologue et philosophe,
que cette injonction, donc celle de la paix sociale, est politique. Elle est politique précisément dans son œuvre de dépolitisation de l'espace social martiniquais, c'est-à-dire d'un travail symbolique visant à en faire un espace acritique, derrière le masque de la sage invitation à la réflexion et au dialogue. L'action de cette association est une stratégie politique au sens le plus fort du terme, en ce qu'elle vise à pulvériser de l'espace public, notamment sur le plan discursif, tout ce qui a trait à la conflictualité structurelle de la société martiniquaise. Structurelle, ça fait partie de notre formation de base. Conflictualité née du fait fondateur de cette société, l'esclavage colonial de plantation et de son legs maintenant séculaire d'inégalité sociale, d'inégalité de redistribution du capital au sens non seulement économique et financier, mais aussi culturelle et sociale, voire symbolique. Donc là, résumé, la posture, l'approche critique de cette personne qui est clairvoyante et qui a analysé de manière absolument objective ce qui est en train de se passer. Absolument. Et Tous Créoles n'a pas failli à sa mission de falsifier effectivement la vérité. D'ailleurs, je dois vous avouer que Mabankou, quand il est au monsieur Mabankou, Mamou Rabatoui, quand il est remonté dans son fief, là, sur sa page Twitter, donc nous sommes le 15, le lendemain, le dimanche 15, il poste la chose suivante. Écoutez bien. Hein. Retour de Martinique, constat. Absence de dialogue ou dialogue impossible entre les différentes composantes de la population martiniquaise. Mmh. Ils sont ça. Mmh. Donc ça veut dire quoi? Que ce monsieur comme Siwulnik n'avait pas effectivement toute la mesure du moins la dimension de la fourmilière dans laquelle il mettait les pieds. Il a découvert la fourmilière grâce à nous qui étions là. Parce que nous, il y avait fourmilière, fourmilière. Et c'est là qu'il s'est rendu compte, il s'est retrouvé. Mais le bonhomme a été déstabilisé. Il est parti de là, la tête baissée. Parce qu'il a. Mais Siwulnik était parti en colère aussi. Parce qu'il a découvert. Mais ce qui est intéressant, c'est. Donc, dans cette approche-là, c'est de dénoncer qu'il y a manipulation. Parce que dans l'ouvrage que nous avions écrit sur la résilience, il y a ce terme-là, manipulation ou résilience véritablement. Donc on est dans quelque chose qui continue. En fait, il y a une stratégie derrière. C'est ce que cette jeune femme politologue donc a dénoncé. Et la question, c'est en dehors de cela, c'est comment nous sommes considérés par les personnes qui ont soi-disant avec eux des personnes de couleur et qui permettent qu'on traite les Martiniquais de cette manière-là. Parce qu'il est évident qu'à la base, il y a un manque de respect. Alors, je reviens sur un aspect en fait, de ce que j'avais dit en fait, tout à l'heure. Il me semble en fait que c'est évident que... Et c'est ce que Tous Créoles fait de manière systématique, c'est sa raison d'être. C'est un discours, c'est une posture basée sur les préjugés anciens, les préjugés racistes, en fait, coloniaux. Et en effet, ils viennent et ils sont convaincus qu'on est ce que ces préjugés disent que nous sommes. Et donc, ils sont dans une bulle, ces gens. Ils sont dans une bulle, ils nous regardent à travers cette bulle. Et il est clair que Tous Créoles, systématiquement, donc les Blancs Créoles qui incarnent en fait ces préjugés-là, il est clair en fait que lorsque Tous Créoles est en face en fait de Siwulnik par exemple, ces gens arrivent à convaincre Siwulnik par exemple, qu'en fait que ces préjugés sont opérationnels ici et qu'il viendra et qu'il pourra discourir en fait comme il a pu discourir la dernière fois. Et c'est après, lorsqu'il voit en fait la réaction, il dit « Attends, on m'a trompé. » Et finalement, je me suis ridiculisé. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Mabankou. C'est la même chose. Il est arrivé avec ses préjugés. Sauf qu'il s'est entêté à vouloir nous cracher de ses camps. Non, il s'est entêté. Mais c'est toujours relatif en fait à la finesse des uns et des autres. Mais la structure
l'approche est la même. Mm-hmm. En effet, il est peut-être un peu moins clairvoyant que Cyrilnik face à ce qui est évident, qui nous sommes et ce que nous souhaitons et ce que nous exigeons. Mais finalement, peut-être aussi que Cyrilnik est plus autonome et que Mabakou est un peu, peut-être déjà un peu plus acheté, si je puis dire, entre guillemets, prisonnier en fait, parce qu'avec les prix qui sont, les reconnaissances, etc., par l'Occident, hein, par l'Académie française et autres, donc il est déjà un peu plus prisonnier de sa fonction, si je puis dire, du rôle en fait qu'on lui a assigné et qu'il a accepté de jouer. Mais pour revenir à l'essentiel, Mabakou en fait, comme je disais, est venu, est arrivé avec aussi convaincu parce qu'il ne connaît pas la Martinique, il ne nous connaît pas. Mmh. Et lorsqu'il arrive, il arrive avec en fait ce que tout ce créole lui a dit de la Martinique. On lui a promis en fait que ce discours passera et qu'il y aura un écho et que le peuple en fait est prêt à entendre et accepter ce discours. Et donc il arrive, ce Mabakou, il arrive et il profère en fait ce discours. Mais qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre en fait. C'est pas vrai, c'est totalement pas vrai. Et c'est ce qui illustre très bien ce que tu viens de nous lire, en fait, à savoir que, eh bien, il n'y a pas de dialogue, de communication entre les deux. Mais en réalité, c'est pas vrai. Il y a une communication. Et il y a toujours une communication. Et elle est évidente. Deux côtés, de manière très claire, et sans aucune ambiguïté, il y a les afro-descendants, et cela depuis des décennies, depuis des siècles, qui disent « Mais arrêtez, ce que vous faites là est totalement injuste, nous n'acceptons pas ça. » Et c'est pour cette raison que de génération en génération, et nous encore aujourd'hui, nous nous battons contre cette évidence que c'est injuste et que c'est inacceptable. Et ce refus d'entendre. Et en face, ils entendent. Ils entendent. Non, à travers le filtre de leurs préjugés. Oui, mais à travers le filtre de leurs préjugés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons un système interprétatif raciste et qui arrive en fait malgré l'évidence. Ils disent oui, c'est vrai, cet ouvrage existe, mais on peut le transformer. On peut le tourner. On peut le tourner. Voilà, c'est cette conviction qu'en fait que nous n'existons pas tel qu'il nous perçoit, en tous les cas tel que nous nous disons au monde. Et pourtant, si on devait croire dans leurs préjugés, on devrait en fait aujourd'hui encore être sous les fouets. Hein. C'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils ont voulu en Afrique du Sud. Mais c'est le cas d'Yves Détroit en 2009. Nous voyons. Oui, absolument, exactement. Le noir est un... Comment il disait ? On peut le mener facilement. Oui, on peut le mener facilement. C'est un grand enfant. Voilà. Et nous savons que durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a des blancs créoles qui ont profité de cette occasion pour demander, je dirais, à l'État Vichy que l'esclavage soit remis en Martinique. Donc nous voyons bien qu'en fait, ils sont convaincus qu'ils peuvent transformer cet ouvrage en ce qu'ils veulent. Hein. Ils ne veulent pas avoir cet ouvrage. Et en l'occurrence, nous sommes là. Et ça, c'est précisément en fait notre situation. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je terminerai là pour l'instant, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un patrimoine que nous reconnaissons. Un patrimoine de vérité, un patrimoine que nos ancêtres nous ont légué, un patrimoine dans lequel en fait nous reconnaissons. Et ce patrimoine, il est effectif, il est efficace, il est efficient. Mmh. Et c'est pour cette raison que Mabakou n'a pu passer, parce que en fait, ce qu'il dit, ce qu'il essaye de faire, eh bien, c'est inaudible, ça ne peut pas passer, c'est du n'importe quoi. On sent que c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Et Cyrilnik, pareil, lorsqu'il est venu, avec le poids en fait de sa reconnaissance nationale et internationale. Mais cependant, ça ne suffit pas pour faire vérité. Ça ne suffit pas pour faire vérité. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a asséné la vérité évidente, parce qu'on n'a pas, on n'a pas besoin de compliquer quoi que ce soit, c'est évident. Eh bien, il n'a fait que reconnaître et dire en fait que bon, il avait été trompé en quelque sorte. Donc voilà la vérité de notre situation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste simplement à veiller à ce que, eh bien, qu'il n'y ait pas un seul Martiniquais, une seule Martiniquaise qui ne connaisse cette vérité évidente et que nous avons en patrimoine et que nous partageons et qui fait que nous sommes là aujourd'hui et que nous la défendons et nous sommes sereins. Oui. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que nous parlons de ces choses-là entre nous en privé.
Nous avons toujours réfléchi sur comment on nous traite, sur quel ton on nous parle, sur le fait qu'on nous prenne pour des imbéciles ou des tout petites cervelles de je ne sais quoi, et sur le fait qu'on ait l'impression qu'on ne comprend pas exactement les postures que les autres ont envers nous. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de mettre ces choses-là en débat sur la scène publique, de poser la question du racisme officiel à travers lequel nous sommes appréhendés, la manière dont on nous parle, la manière dont on nous propose la paix sociale. Tout à l'heure, je vous disais, je vous cherchais le nom de l'échelle, c'est l'échelle de Maslow. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir. Une fois qu'un peuple a satisfait ses besoins primaires de boire et de manger, on a beaucoup entendu Mabanko parler de boire et manger. Peut-être qu'il a encore faim. Peut-être, en tout cas, je pense qu'avec ce qu'il a reçu, il a de quoi s'acheter à boire et à manger. Et pour le moment, les autres qui ont faim ne viennent pas nous transmettre leur faim avec leur niveau d'acceptation, de compromis et de compromission. Nous disons, donc, sur la base de cette échelle, les supermarchés nous remplissent la panse plus qu'il ne faut. Aujourd'hui, nous sommes montés d'un cran, peut-être de deux ou de trois. Notre intelligence est à l'œuvre et nous disons que nous regardons comment on nous regarde. Nous regardons comment on nous parle, nous regardons comment on nous traite. Et il est très important qu'on fasse attention désormais à comment on nous parle. Voilà. Milka, alors, tu voulais dire... Alors, pour revenir un peu sur ce que tu dis, Juliette, je crois qu'effectivement, cette tentative, on peut dire, de déshumanisation pratiquement qui est à l'œuvre encore, c'est-à-dire de continuer à nous remettre dans le cadre de la plantation, c'est-à-dire avec cette identité créole, c'est justement ce que nous refusons. Nous refusons qu'aujourd'hui, on nous regarde avec les yeux avec lesquels on nous a regardés. De 3 siècles en arrière. À partir de 1492. C'est bien ça, 1492. Mais ce que je veux surtout rebondir sur les enjeux ici. Parce que M. Mabanko nous a dit, eh bien voilà, il faut maintenant parler au présent. Il faut arrêter avec le passé. Et puis de toutes les façons, il pense que c'est l'identité créole, c'est celle qui est la plus convenable pour nous aujourd'hui. Oui, il est venu nous dire. Voilà, il est venu nous dire ce qui nous convient, ce qui nous convient à l'instar donc de tous créoles. Et bien entendu, nous disons à M. Mabanko qu'effectivement, il n'est pas ici en mesure de nous donner des leçons absolument d'identité. Absolument. Parce que nous connaissons notre identité. Oui. Nous savons que notre identité n'est pas créole. Notre identité, elle est non seulement martiniquaise, mais elle a aussi sa matrice. Et sa matrice est une matrice africaine. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter que le créole, le blanc créole, nous colle son identité. Son identité à lui, parce que justement, nous avons notre identité. Et comme le disait Dominique, nous avons les éléments historiques qui nous permettent aujourd'hui de dire que voilà, nous ne voulons pas entrer dans cette identité créole. Nous la refusons parce que c'est une identité de prédation et c'est une identité de déshumanisation, c'est une identité raciste. Donc nous refusons cette racialisation de notre société et de notre identité. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Je crois que justement cette dynamique, comme le disait Madame Lancher, est politique. Cette dynamique de vouloir nous entrer dans l'identité créole est justement une dynamique politique à des enjeux politiques parce qu'il s'agit justement de nous écarter de notre identité nationale, c'est-à-dire notre identité martiniquaise. Parce que Il est tellement plus simple de s'appeler martiniquais. Voilà que pour quelle raison vouloir se mettre dans un créole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne repose sur rien, c'est une identité fabriquée, virtuelle. Par ailleurs, les Français et les jeunes enfants qui naissent ici sont autorisés à s'appeler martiniquais. Puisqu'il faut bien faire remarquer que le terme créole ne s'applique pas aux blancs qui arrivent ici. Absolument. Au métro, comme on les appelle, mais bien à nous. À nous, voilà. Donc, il y a une réalité aussi à laquelle il faut se confronter. Comprendre qui est-ce qu'on inclut et qu'on exclut et pourquoi cette inclusion. Absolument. Puisque effectivement, les Blancs restent intouchés. Ils ne sont pas touchés par cette idéologie-là. Absolument. Donc ils sont entiers. Ils sont entiers et cette offensive, je crois que cette offensive de tous créoles, appuyée donc avec ces injonctions de M. Mabanko, effectivement, eh bien, cette offensive ne vise qu'à nous détourner de ce qui est essentiel, c'est-à-dire justement l'unité
de notre groupe, l'unité du peuple martiniquais, autour justement dans une perspective d'avenir, dans un devenir de martiniquais. Donc justement poser la question coloniale, poser la question de la domination coloniale. De toutes les façons, si l'association se donne autant de mal pour chercher, parce que je pense que parmi tous les Africains qui écrivent, tous les Antillais qui écrivent des textes autrement tournés, ils auraient eu le choix s'il s'agissait d'instruire. Absolument. Or là, ils sont dans une démarche assez systématique d'inviter des personnes, soit qui sont des donneuses de leçons, soit qui vont venir nous dire, comme Mabankou, que les Noirs n'ont rien foutu, qu'ils accusent les Blancs injustement de leurs incapacités, qu'on leur a donné l'indépendance, qu'ils n'en ont rien fait, que ce sont de grands inutiles et des pleureurs ou des pleurnichards, comme le disait Jérémy. Alors là, maintenant, on va travailler aussi à réfléchir un peu sur l'ouvrage. Je vous ai dit d'entrée de jeu que ce qui nous interpelle quand même aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle les Occidentaux trouvent plutôt des Noirs, enfin, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose, en tout cas qui sont manipulés et payés sans doute et qui acceptent de venir nous dire des choses qui sont assez déplaisantes dans la manière dont elles sont dites, parce qu'elles sont très injustes et très, ce que nous disons en sociologie, très essentialistes, c'est-à-dire il y aurait une essence noire, une essence africaine qui ne foutrait rien, qui serait un gros parasite, comme si avant l'arrivée des coloniaux, les Africains étaient là, assis la gueule ouverte, à attendre que les Blancs arrivent et qu'ils leur disent enfin, voilà 1000 ans que nous crevons la dalle et que nous n'avons pas développé un seul outil pour domestiquer notre environnement, merci d'être venu nous coloniser. Donc il y a quelque chose là dans cette... Le Noir n'a jamais... N'est pas rentré dans l'histoire. N'est pas rentré dans l'histoire, c'est ça. Donc il y a quelque chose dans ce comportement, cette manière qu'on a de... cette facilité qu'on a d'embaucher ou de débaucher les Noirs, qui vont accepter cette parole essentialiste sur le noir, cette parole qui est absolument contre nature. Cette facilité-là, on l'interroge. À notre avis, c'est parce que probablement, j'avance le fait qu'il y a un rapport avec le groupe, son groupe d'appartenance, qui est absolument problématique. J'appartiens à un groupe, et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était en dehors du fait que... Donc on appartient à un groupe qu'on n'aime pas, dont on a honte, parce que, oui, les Noirs sont à la traîne de l'humanité, ils sont moins développés, mais au lieu d'aller développer son peuple et de se battre pour lui, on va en Europe, on s'assied sur les strapontins que les Européens donnent, et puis on crache sur son peuple. Et les autres qui sont restés au pays pour faire travailler, pour faire avancer la cause, mais ceux-là, ils sont complètement ignorés. Mais tout le monde n'est pas Mabankou, et tous les Mabankou, tous les Africains ne sont pas... aller en Europe pour se faire encenser, recevoir des prix des Européens et pour accepter de cracher sur leur peuple. Donc d'entrée de jeu, dans son livre donc Le sanglot de l'homme noir, il cite Fanon, ce qui est absolument perturbant, parce que Fanon, voilà, Fanon. Qu'est-ce que cette histoire de peuple noir, de nationalité nègre ? Je suis intéressé personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française. Qu'ai-je à faire, moi, d'un empire noir ? Donc il dit là que nous n'avons rien à foutre d'être nègre, de noir, de descendre d'une civilisation prestigieuse, puisqu'il disait dans l'émission de Zouk que ça ne sert à rien. Ou à quoi ça me sert de savoir qu'il y avait un empire de je ne sais quoi, l'empire de Songhai ou de je ne sais lequel. Et à quoi ça sert si, voilà, dans le présent, on est dans cette situation. Vous ne pouvez pas justement préciser dans quel contexte Fanon
Justement, et il est absolument, il cite Fanon à plusieurs reprises et il est absolument, dans cette manière qu'il a de détourner la parole de, il est absolument, mais c'est pour ça que Peau noire, masque blanc a des zones d'ombre. C'est un livre qui peut être utilisé par des manipulateurs pour dire, voilà. Donc il dit, on ne va pas s'en prendre à l'homme blanc, voilà, il écrit une lettre à son fils, c'est les premières pages, voilà, il ne faut pas s'en prendre à l'homme blanc, il faut s'en prendre à soi-même parce que, alors je vous lis un petit passage pour vous donner une impression du type de discours qu'il tient dans ce premier passage, ce premier paragraphe. Petit chapitre peut-être, ou une sorte de préface. Les Noirs en sanglots sont persuadés que notre survie passe par l'anéantissement de la race blanche ou tout au moins par l'inversion des rôles dans le cours de l'histoire. À leurs yeux, le blanc devrait, même pendant quelques heures, ressentir ce que signifie d'être nègre dans ce monde. Or, dans leur inconscient, comme l'affirmait Fanon, deuxième citation, ils traînent le rêve d'être des blancs jusqu'à la fin des temps, alors que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Fanon fait cette analyse. Le noir, donc dixit Fanon, le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et s'il est, et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc, et tous ses efforts tendent à réaliser une existence blanche. Alors, par contre, le noir, c'est probablement Mabanko, parce que dans tout son livre, c'est effectivement un cri lancé en direction de sa patrie, la France, son désir de francité, son désir d'une nationalité française qu'aucun blanc français ne mettrait en question et désespérant. Et on a pitié parce que le bon peuple français, qui est plein de bon sens, hein, il ne s'occupe pas des politiques politiciennes de ses élites, hein. Ces élites qui ont inventé des nègres français en Pacifique, dans le Pacifique, dans l'Atlantique ou ailleurs, le bon peuple français, tout enfermé dans sa logique là qu'il est, il dit, c'est moi le français et je suis blanc. Et c'est blanc un français. Et c'est cela qu'il reconnaît. Alors Mabankou est désespérément à la recherche d'un regard de français qui lui dira, oui. Oui, 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 on te reconnaît comme chez nous. Le seul regard, le seul qu'il a eu, de regard blanc, français, qui lui a dit « oui, tu es bien de chez nous », c'est aux États-Unis où il a dû s'exiler alors qu'il a reçu plein de prix en France. Il a dû s'exiler pour être professeur, alors qu'il est désespérément français, professeur de littérature francophone. Ça veut dire qu'il n'est pas en mesure d'enseigner la littérature française. Il est francophone. Donc, les bougnoules entre les bougnoules. Autrement dit, ce qui est très important, c'est comment Mabankou sort de cette... Donc, il est dans une rencontre avec des Français en Californie, c'est à Los Angeles, et il fait... les Français critiquent les Américains, il les interpelle, et puis ça finit par... Ah, vous êtes Français. Les Français lui disent, ah, vous êtes Français. Ils sont très contents d'être entre Français. Ils vont boire, prendre un pot, ils discutent très longtemps autour de choses qui font que Mabankou se sent mais dans une plénitude absolue à ce moment-là en Californie, à Los Angeles, complètement français. Et cette plénitude-là, il n'arrive jamais à l'atteindre, ce sentiment-là, à l'atteindre en France, parce qu'en France, eh bien, il y a le bon français qui veille à sa nation. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire. D'abord, le groupe d'appartenance et je vous dis juste cette expérience qu'on a, qui existe en psychologie sociale. On a mis au jour le fait que les membres de groupe, donc on appartient à son groupe et on lui est fidèle. Les préférences qu'on exprime sont pour son groupe. Ça a toujours été ça, les théories psychosociologiques que j'ai étudiées. Et quand j'ai dû faire moi mes enquêtes, j'ai réalisé que chez nous, il y avait un petit problème à ce niveau-là. Ça n'est pas vrai que nous privilégions ou préférons systématiquement les membres de notre groupe. Parfois, ou très souvent, plus souvent que rarement, nous préférons
les Blancs où nous affichons nos préférences pour eux plutôt que pour les nôtres, au nom du fait qu'ils seraient plus gentils, plus civiques, plus éduqués, plus ceci, plus cela. Et nous laissons, abandonnons, trahissons notre groupe un peu comme Mamankou l'a fait et comme beaucoup d'autres intellectuels noirs le font. Voilà. Oui. Je sais pas si... Mais je crois que là, bon, on va pas très, on va chercher très loin. Bon, Monsieur Mabankou est l'exemple typique d'un aliéné, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement a pratiquement intégré sa propre une infériorité qui lui aurait été dictée hein, par l'homme blanc qui dit ne pas être responsable de quoi que ce soit en Afrique ou encore en Amérique, mais tout compte fait, il participe de cette aliénation. Et il est non seulement il participe, mais il accepte cette aliénation puisqu'il veut en retour nous donner des leçons de désaliénation, puisqu'il nous dit sortez de ce paradigme, sortez de cette vision que vous avez d'eux-mêmes, alors que lui-même il est porteur de cette vision pour la bonne raison qu'il se sent tout à fait dans une autre peau hein, que celle qu'il porte, la vision qu'il projette, et bien entendu c'est pour ça qu'il ne peut pas être solidaire de son groupe, puisqu'il est tellement aliéné lui-même qu'il n'arrive pas à dépasser ce que l'autre l'a appris de lui, lui a appris de lui-même. Donc on comprend bien qu'il est très mal placé pour venir nous parler, à nous ici en Martinique, d'autant plus que nous sommes dans une dynamique justement d'apporter la connaissance, et c'est cette connaissance qui va justement désaliéner le peuple martiniquais, qui va effectivement, cette connaissance, cette vérité, comme tu disais, Jérémy, qui est destinée justement à démystifier l'homme blanc, à démystifier la civilisation occidentale, qui est une civilisation qui a fondé son essence sur le mensonge, sur la prédation, et effectivement qui a, dans toute son histoire, toute son histoire, je ne parle même pas de 1492, je parle avant même 1492, qui a fondé sa civilisation, ses antiquités, sur le vol, sur le mensonge et le vol d'autres civilisations, et notamment la civilisation noire, la civilisation kamite. Donc, on ne peut pas attendre autre chose de M. Mabankou. Et M. Mabankou est un fidèle nègre créole. Mais comme on dit, on ne veut pas parler sur lui, c'est-à-dire, c'est une figure. C'est une figure, une voilà. Une figure que nous appelons de traître, mais quand on lit le livre, on voit que depuis son enfance, voilà. Il est dans cette, vénération. Cette fascination de la France. Justement, il y a quelque chose de très grave là, donc, que tu as lu là, c'est le fait que pour lui, son histoire n'a aucune importance, l'histoire de l'Afrique n'a aucune importance. Et je crois que c'est vraiment inouï d'entendre quelqu'un renier jusqu'à l'histoire même de son peuple. C'est quelqu'un pour moi qui n'a plus aucun fondement, je dirais. Peut-être que ça le dédouane de ne pas s'occuper de son pays. Mais ce qu'il y a, c'est que son attitude, on la retrouve aussi malheureusement dans beaucoup de personnes de chez nous qui effectivement je vois par exemple bon, j'ai écrit deux ouvrages, donc Jésus-Christ le Messie Noir et Les Réchappés de la Grande Tribulation, dans lesquels je pose des faits et des remises en question, des choses qui n'ont jamais été dites et qui pourtant existent, et voilà que les Antillais qui sont ici, certains d'entre eux qui lisent, arrêtez de ressasser, donc de pleurer, de sangloter. Bon, or, l'histoire est faite pour être ressassée, elle est faite pour être dite et redite. C'est celle des Européens. C'est l'histoire du peuple, elle est faite pour suivre les générations et donc pour être dite et redite. Alors, déjà découvrir notre véritable histoire parce qu'on nous l'a cachée, c'est quelque chose de fondamental. Et ensuite, donc, pouvoir transmettre cette histoire, quelle qu'elle ait été, mais la transmettre et puis tirer les leçons de cette histoire pour pouvoir fonder notre vie
et notre perspective à venir. Donc, si on n'a pas ça, on est... Et est-ce que cette manière de parler, de venir devant un parterre de gens qui ne sont pas acquis, je veux dire, qui n'ont pas... Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont levés pour lui dire merci, M. Babankou. Alors, parmi eux, il y avait des blancs, il y avait des moins blancs. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui... À quoi est-ce qu'il renvoie ces personnes-là qui ont eu envie de lui dire merci? Voilà, et ce merci-là, quelle est sa valence? Maintenant, on a cette posture-là et je pense que c'est à Batelier qu'il a senti qu'il y avait une animosité contre lui, parce que à la télé, dans les espaces où il a été protégé, où les gens ont appelé pour demander le titre de son livre, pour un peu l'encenser, il a dû se sentir un petit peu accueilli, et ça lui a, tu parlais de mensonges tout à l'heure, ça lui a permis de vraiment se conforter dans ses mensonges en nous faisant croire qu'il n'était pas invité par mais si tu veux, j'en avais pas terminé avec justement la question de l'histoire. Il lui faut des gens comme ça, comme lui, donc qui renient leur propre histoire pour que puisse exister justement la créolité dans le sens donc de d'une chose qu'on a créée, puisque c'est ce que veut dire le mot. Hein. Donc les colons arrivent et ils décident de créer un monde, et ce monde ils le créent sur la base de l'injustice, du pillage, de la torture, du mensonge, voilà, etc., de la négation de l'histoire de certains peuples, de la négation de la valeur humaine de certains peuples. Mais Mabankou disait que le noir n'avait pas le sens de l'autocritique, mais on n'a jamais entendu les blancs dire « c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Et pourquoi est-ce qu'il faudrait éventuellement que ce soit les noirs qui le disent en particulier. Voilà. Et donc, il lui faut des gens comme ça, et il faut des gens comme ça, je dirais, à ceux qui veulent coller une identité créole, des gens qui renient leur histoire et qui, donc, acceptent une histoire créée de toutes pièces et sur des fondements historiques de torture, d'injustice. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent ces personnes à dire. Siméon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste revenir sur. Le rapport de Mabankou à son pays d'origine, à son continent d'origine, qui est l'Afrique. Oui. Mabankou, monsieur Mabankou, nous décrit cette relation qu'il a avec son fils depuis sa naissance, qui est une relation, et c'est là que j'ai vu que ce mec avait un problème, qui est basée sur justement cette volonté d'écarter son fils de son pays d'origine, de son continent d'origine. À telle enseigne qu'il nous raconte en pleine conférence que son fils, qui a aujourd'hui 20 ans, n'a jamais mis les pieds en Afrique. Et par souci de le ménager, justement, de ce travail de résilience, de vivre des situations qu'il n'a pas connues, parce qu'il n'est pas l'auteur de ces situations-là, eh bien, il a volontairement caché son fils, en fait. Il le cache dans la forêt occidentale pour que son fils ne soit pas en relation avec cette forêt sauvage africaine, cette forêt, imprégnée d'histoires sombres, d'histoires tristes, d'histoires peu valorisantes. Et M. Mabankou va donner l'autorisation à son fils, désormais sur la base de ses 20 ans, de nouer les liens, avec, de faire sa propre initiation. Donc le père ne transmet plus quoi que ce soit là. Le père, il est juste là pour protéger, donc il protège à l'excès. Il transmet une sorte de défiance à l'égard du noir. Mon cher petit, la pire des intolérances, c'est celle qui vient des êtres qui te ressemblent. Voilà. Ou bien qu'il faut vouloir à la France la charger de tous les péchés du monde. Absolument. Et il est dans ça avec son fils absolument, tout le temps. Absolument. C'est ça m'interpelle. Une défiance envers son peuple, envers lui-même, son africanité. Donc ça explique que l'enfant ne soit jamais allé jusqu'à... Et on peut comprendre pourquoi les béquets, tout ce créole, l'évite en Martinique, avec un tel discours, une telle posture. Mais tout ce créole... La même posture existe en France. Oui. Il ne faut pas que les Antillais s'imaginent qu'il existe un lien entre eux et les Africains. Voilà, tout à fait. Voilà, ça, c'est clair. Avec M. Karam, c'était dit et redit. Et donc, c'est cela qui fait juste. Monsieur Dominique Vincent. Oui. Pardon. Ce que je voulais dire à ce sujet,
s'agissant en fait du comportement de l'auteur Mabankou, par rapport à tout ce qu'on a pu dire et entendre de sa bouche, nous savons bien, et je crois qu'il faut l'assumer clairement, ce point, qu'il est dans la stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui ignore, c'est quelqu'un qui a une culture générale assez importante. Et ça, il faut qu'on retienne ça. Par conséquent, cette personne fait volontairement ce qu'elle fait. Elle est dans la stratégie. Et tellement qu'elle est dans la stratégie que son discours est très structuré et répond aux exigences en fait, que lui, il fixe à ce discours, à savoir en fait, convaincre à tout prix que, en effet, il faut se maintenir dans les préjugés anciens, mais qui demeurent et qui souhaitent en fait, garder sa mémise sur nos consciences. Donc, c'est un homme qui mène une stratégie. Ce n'est pas un ignorant. Ça, c'est très important. Et lorsqu'on interroge en fait l'attitude de ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, l'ont félicité à l'issue de sa conférence, et on voyait en fait qu'il y avait des afro-descendants, que les blancs créoles le fassent, bon, ça c'est cohérent, mais qu'il y ait des afro-descendants, là aussi. Ou des Africains, parce qu'il y avait des Africains. Oui, mais lorsque je dis afro-descendants, j'entends Africains aussi. Il me semble qu'un Africain est aussi un afro-descendant. Alors, il faut comprendre bien, il faut qu'on assume aussi cette réalité, que ces gens sont de la stratégie. Ils sont de la stratégie de la communication, à savoir pour montrer en fait que, bon, en dépit de ce que l'autre position, eh bien, eux, ils restent solidaires à ce discours-là, ce discours de Mabankou, qui est leur discours, et qu'ils n'ont pas attendu Mabankou pour épouser ce discours. Et donc, ils n'ont pas attendu Mabankou non plus pour demeurer dans cette stratégie et pour gérer de manière permanente dans leurs relations en Martinique, etc., dans les activités de tout ce que, etc., dans leur discours, etc., pour gérer en fait ces préjugés et veiller à tout prix à les maintenir. Parce que ces gens considèrent qu'ils ont un intérêt, qu'ils tirent un profit. Et ils tirent ce qu'ils appellent un profit, ce qu'ils considèrent être un profit, et être le meilleur profit pour eux de manière conjoncturelle. C'est leur choix. Et donc, nous sommes dans la stratégie. Par conséquent, nous sommes, comme nous avons pu le constater pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'agissant en fait des collabos, nous sommes en face de gens qui collaborent et en conscience. Et ils sont tellement conscients que c'est de la collaboration qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrêté, ils sont venus des résistants. Mais je veux souligner. Je suis peut-être le petit-fils d'un négro. Voilà. Donc il est il est dans la collaboration. Et il l'assume, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Alors il ne maîtrise pas nécessairement en fait tous les tenants et les aboutissants, mais sa posture est celle-là. Et en effet, il est comme le collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale français, un blanc, qui en effet est traître. Traître parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, ce collabo. Il le fait en conscience, il a la connaissance autre. Il sait c'est quoi la vérité. Oui, oui. Il sait que ces êtres-là ne sont pas. Voilà, on lui a proposé quelque chose. Et il considère que ces intérêts-là sont supérieurs à tout autre intérêt. Voilà, c'est ça. Et il assume cette posture-là. Et donc, nous sommes dans cette situation. Pas les innocents qui trahissent. Non, pas du tout. Parce qu'il faut qu'on les voit et qu'on les décrive à la population pour que la population. Parce que nous les voyons, mais il faut que la population comprenne ce qui se passe là. Et donc, nous avons un effort de pédagogie, en fait, à faire. Et donc, voilà ce collabo, il est là. Et c'est pour cette raison qu'on peut le qualifier de traite, objectivement. Et ce collabo sait qu'il est en train de mentir, sait qu'il est en train de faire quelque chose de très grave. Et ce collabo considère, en fait, qu'il est suffisamment protégé par le système pour sortir indemne. Il est assez de prix. Voilà, cette intégrité physique. Absolument. Et psychologique, en fait. Voilà. Il n'a pas peur de l'agressivité qu'il y a une agressivité, mais il considère, en fait, mais il a été surpris d'ailleurs, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle agressivité. Mais cependant, je pense qu'il a été bien plus bousculé que ce qu'il pensait initialement. Mais cependant, il a pris le risque de le faire, parce qu'il considère en fait qu'il a ses bulldogs, le système, mais par rapport au discours qu'on lui a tenu. Oui, bien sûr, il a été trompé. Il a été parce qu'en effet, l'approche créole, c'est une approche manipulatrice, ça on le sait. Alors,
Et évidemment, les premières victimes sont les Noirs. Et en l'occurrence, ce n'est pas étonnant que M. Mavoncon en soit une victime. Après, c'est à lui de voir s'il maintient sa collaboration ou pas. Alors, eh bien… Ça m'étonne. Voilà. Donc, nous sommes en fait… Nous sommes devant. Oui, mais parce que c'est un collaborateur, si le vent tourne, il peut tourner. Absolument. Comme durant, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tourné. Parce qu'ils savent… Ils savent, oh, voilà. Ils ne sont pas dans les vapes, ils ne vont pas rester dans la collaboration alors que le vent a tourné. Hein. Parce qu'ils regardent, ils voient, ils comprennent. Ils savent. Le chaud et le froid. Voilà. Tu as dit qu'au début, il dit une chose et à la fin, on a le voilà. Mais après, donc ils savent. Mais je voudrais terminer mon analyse, ma démonstration. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, il y a ceux qui ne savent pas. Il y a les enfants et ceux qui n'ont pas pu bénéficier en fait, de la connaissance. Et ceux qui, finalement, sont sous la domination du discours, en fait, qu'ils avalisent. L'enfant qui reçoit le discours des parents fait avec et peut plus ou moins se rebeller selon, je dirais, en fait, sa clairvoyance ou finalement la pertinence de ce discours par rapport à la réalité, en tous les cas, à l'expérience, en fait, de cet enfant. Mais il y a ces enfants, d'abord et avant tout. Alors, ces enfants, qui va les éduquer? Qui va leur transmettre? Est-ce les collabos ou est-ce les autres? Parce que l'enjeu est très grand là. Et c'est la cause, en fait, à la transmission. Et c'est pour cette raison qu'il s'adresse à son enfant dans sa stratégie, parce qu'il considère, en fait, qu'il faut que la génération qui vient demeure de cette stratégie parce qu'elle considère en fait que ses dividendes dépendent de cet ordre mental, de ce conditionnement. Et donc il faut qu'il veille à ce que ce conditionnement se maintienne. Et donc nous y sommes. Nous y sommes. Nous avons une jeunesse. Pour la question, je t'interromps une seconde parce que ce que tu dis là est tellement important. Il lui dit. Justement, on te donne, tu dois être dans la posture de celui qui remercie et tu l'affirmes, tu ne demandes rien en contrepartie. Tu es né ici, donc parlant de la France, ton destin est ici et tu ne devras pas le perdre de vue. Demande-toi ce que tu apportes à cette patrie sans pour autant attendre d'elle une quelconque récompense. Parce que le monde est ainsi fait. Mmh. Il y a plus de héros dans l'ombre que dans la lumière. Mmh. T'as vu? Une rémission totale. Absolument. Et de ce, le c'est côté. Chaud, hein. Absolument. C'est chaud. Donc, mais voilà ce qu'il dit à l'enfant. Et il termine sa lettre sur cette phrase-là. Mmh. Donc ce que tu dis. Voilà. Le conditionnement et la mainmise sur la descendance, elle est là. Elle est là, absolument. Est là. Donc il faut qu'on comprenne ça et que par conséquent, nous avons au moins deux catégories d'individus. Il y a ceux qui sont de la stratégie, qui savent et qui sont de la stratégie. Et on peut penser aux intellectuels. Mmh. Et puis, donc, d'emblée, quoi. Et puis, il y a ceux qui sont là, qui ne savent pas. Et il y a le système de transmission. Mmh. Et ce combat en trois, je dirais, c'est deux volontés. Une volonté, en fait, que le mensonge, que la falsification perdure et triomphe. Et puis, il y a l'autre volonté qu'il a, que la vérité triomphe. Alors ça me permet en fait d'emblée de rebondir en fait sur un aspect en fait des échanges qu'on a eu jusque là, à savoir Monsieur Mabankou et à travers lui en fait je dirais tous les stratèges collabos et qui nous reproche en fait aux afrodescendants le fait, comme il dit, nos militants ont encore le regard fixé sur le rétroviseur, pour nous dire en fait qu'on regarde trop sur l'histoire, c'est trop sur le passé. Alors je voudrais faire une petite analyse à ce sujet. Discours que tu essaies de mettre. Pardon ? C'est donneur d'ordre ou tiennent le même discours. Oui, oui, mais parce que ça fait partie du processus et ça fait partie, en fait, je dirais, des canevas de conditionnement. C'est un élément fondamental, en fait, dans la transmission créole, en fait. Donc, en effet, on va retrouver ça comme un leitmotiv dans tout système, en fait, je dirais, de collabos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous regardons dans le rétroviseur. On voit bien, en fait, que ils essayent subtilement de créer une rupture entre le présent et le passé. Mmh. Alors la question est celle-là. Pourquoi les Noirs
ont trouvé nécessaire d'aller et de restituer la vérité historique. Pourquoi les Noirs ont trouvé nécessaire d'aller dire que les Blancs ont menti lorsqu'ils ont dit que les Égyptiens étaient des Blancs? Pourquoi les Noirs ont eu le besoin, ont senti la nécessité d'aller dire que, en effet, c'est pas vrai. Ce que dit la science, c'est que nous sommes des êtres humains tous et que nous avons la même humanité. Et ça, c'est l'histoire. Pourquoi les Noirs ont eu besoin de démontrer en fait que, en effet, contrairement à ce qu'ils disent, il n'y a pas, je dirais, une pluralité de sources d'origine humaine et qu'il n'y a qu'une seule source, qu'une seule espèce humaine. Pourquoi les Noirs ont eu ce besoin d'aller restituer ces vérités-là? C'est pour ça qu'ils Pourquoi Et à quel moment, et surtout la deuxième question, à quel moment ont-ils restitué ces vérités? Je voudrais répondre à ça parce qu'il me semble que c'est très important. Et je poserai une dernière question. Est-ce que les Noirs devaient rester les bras croisés alors que en face, il y a des Blancs qui non seulement ne se contentent pas de cacher l'histoire, mais falsifient l'histoire? Et donc la grande question, c'est pourquoi les Blancs ont senti le besoin de falsifier l'histoire? Et nous comprenons la situation. En réalité, à chaque fois que les Noirs ont eu, en fait, justement, à restaurer la vérité historique, c'était dans leur présent. C'était dans un présent où en face, l'autre disait non, c'est pas vrai. L'autre, en fait, valorisait le mensonge. L'autre avait falsifié l'histoire et présenté à ce noir l'histoire falsifiée. C'est à chaque présent et non point à chaque passé que nous avons eu, en fait, à régler le compte, en fait, du mensonge. Et comme aujourd'hui, nous sommes en train de régler le compte du mensonge. À chaque présent. Et donc, ça n'a jamais été, en fait, contrairement à ce qu'ils disent, la raison, ça n'a jamais été en fait juste en fait pour regarder dans le rétroviseur, mais justement pour répondre aux exigences de leur présent, de leur vie immédiate, dans l'immédiateté, là, dans le présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi en fait les Blancs ont eu besoin de falsifier? Mais pour une raison toute simple. Pour pouvoir en fait permettre au processus de colonisation d'atteindre son objectif. C'est quoi le processus de colonisation? Sinon la création d'une représentation du noir négative, d'être représenter les noirs comme étant des êtres inférieurs. Et donc, toutes ces falsifications historiques. Pour justifier le projet économique. Absolument. Oui, oui, oui. Non, il y a cette finalité, cette domination. Mais la domination n'est pas seulement. Comprenons-nous bien, la domination n'a jamais été et ne peut pas être seulement économique. Non, parce qu'elle n'est pas suffisante. La finalité de la domination. Non, je ne suis pas certain que ce soit la finalité soit plus loin, plus profondément. On a touché à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Mais ce n'est pas le seul. Voilà. C'est pas le débat pour l'instant. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, ils ont construit ils ont falsifié l'histoire pour pouvoir maintenir en permanence une représentation négative du noir en tant qu'être inférieur. Vous n'avez pas existé dans le passé, vous n'avez pas de passé. Donc, en fait, vous n'avez pas d'héritage, vous n'avez rien à transmettre. Et par conséquent, la seule transmission possible est celle, en fait, de l'or blanc, voilà. Des Blancs. Alors, donc, en l'occurrence, voilà. Donc, on retrouve, justement, une dernière chose. C'est pour faire le lien entre Mabankou et ce que je viens de dire. À savoir que lorsque Mabankou nous dit, en fait, qu'on redroit dans notre viseur, c'est qu'on l'empêche de substituer à la vérité historique, le mensonge en fait qu'il veut transmettre à tout prix à son fils. À savoir, il y a une guerre de transmission. Et en l'occurrence, nous y sommes. Et c'est pour cette raison qu'il veut à tout prix nous faire croire qu'il n'y a pas un lien direct entre le présent et cette nécessité en fait de restaurer la vérité historique. Mais ce mensonge-là, Dominique, il est construit parce que c'est ce petit passage-là du livre qui porte cette parole-là. Et tout le reste du livre, si vous le lisez, vous verrez, c'est vraiment une espèce de paradoxe dans le livre. Et moi, je me suis posé la question de savoir si c'est ça. On lui a demandé de l'écrire parce que le contenu, la teneur est violente.
importante et elle est idéologique justement. Alors puisque je vois que voilà, la lumière clignote, je vais vous demander voilà, de faire un petit tour. Mais vous demandez, le discours de Mabankou s'est adressé donc à la base, au peuple, mais pas aux élites, à ceux qui agissent et qui font la politique. Donc ce qu'on demande aussi aux gens qui l'invitent, c'est pourquoi c'est à nous qu'il vient s'adresser, parce qu'il y a ceux qui font le pouvoir, qui font la politique en Afrique et qui corrompent et qui renversent et qui enlèvent. On a bien vu des gens qui étaient taxés de dictateurs être écrasés violemment et puis on voit ces pays-là dans une bacchanale pas possible aujourd'hui. Voilà, de toute façon, on connaît, comme tu le disais au départ, on connaît bien le travail de la France, et notamment de la France, des Occidentaux en général, mais notamment de la France, en Afrique. Et bien entendu, je renvoie les auditeurs à un texte qu'a sorti Eva Joly. Mm-hmm. S'ils tapent Eva Joly sur Internet, ils auront absolument un texte qu'elle a sorti justement sur cette Afrique. Mm-hmm. C'est la manipulation des chefs d'État occidentaux, français notamment, sur l'avenir politique, économique et social de l'Afrique. Et nos cacapés, exactement, France-Afrique. Absolument. Alors je veux juste dire que bon, nous avons distribué un tract ce jour-là à donc le 14 samedi 14 juin, nous avons distribué un tract aux gens qui étaient là, bien entendu, et bien entendu aux gens même de tous créoles. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi assez particulièrement parce que il y a beaucoup de gens qui viennent là, mais de façon aussi innocente. C'est-à-dire, et qui ne comprennent pas les enjeux. Donc, ils sont séduits par le discours. Tous créoles, voilà. l'unité, la famille. Exactement, voilà. Et qui ne comprennent pas vraiment les enjeux. Alors, je lis juste quatre petites trucs de ce tract. Alors, fustige aujourd'hui la nation martiniquaise, fustige toute velléité de régression mentale affligeante, instillé par la créolité et sa casse historique lébéqué, interpelle tous ceux qui se laissent prendre au piège et qui se pourraient être les actuels complices de ces ignominies de l'histoire. Mmh. Donc il faut à tout prix que les gens comprennent que tout ce qui se fait là, justement, toutes ces invitations que nous avons, avec toutes ces personnes qui viennent nous donner des injonctions de résilience, des injonctions de pacification créole, eh bien, il faut les regarder avec beaucoup de pincettes et il faut vraiment analyser leur discours et chercher la vérité. Voilà. Alors, on va devoir s'arrêter puisque l'émission se termine. Deux mots pour dire. Moi, tout simplement, je dirais, pour conclure, que tous créoles et ses apôtres, ses apolytes, ses missionnaires, ils ont une stratégie. Mm-hmm. Mais nous, les Noirs de la Martinique, nous, cette population qui a tant donné, mm-hmm. nous avons aussi nos stratégies. Qui a construit aussi ce pays. Nous avons aussi nos stratégies. Ouais. Et nos stratégies, nous avons surtout ce qui est très important. Une exigence de respect. Une exigence de respect, ouais. Mais surtout ce qui est important. Et ce qui a transpiré samedi dernier, c'était vraiment une journée symbolique, pour moi en tout cas, c'est que nous pouvons aujourd'hui afficher la compétence de nos experts. Ouais. Et je pense que tous créoles, j'espère pour eux en tout cas qu'ils ont compris le message et qu'ils éviteront à l'avenir de nous exposer face à de telles injures. Oui, Jérémy. Alors, moi je voudrais dire que, en fait, de manière séculaire, les Noirs ont toujours fait une juste revendication par rapport à leur oppression, à leur position. Et tant qu'on n'aura pas de sincérité en face de nous, le dialogue va toujours rester bloqué. La pacification parce que sera tant que les, voilà. Donc, on sera Deux mots, Dominique. Juste pour dire en fait que il est manifeste en fait que l'association Tous Créoles et je dirais tous les collabos souhaitent à tout prix qu'on valide une vision plurale de l'humanité, hein, qu'il y ait plusieurs natures humaines et donc par conséquent une hiérarchisation en fait de l'humanité. Nous, et ceci est propre à notre civilisation, nous disons en fait que non, et nous serons et nous demeurons toujours en fait fidèles à notre vision du monde, il y a une seule humanité, une seule espèce humaine, une seule essence humaine. Et puis les intérêts économiques ne peuvent pas être à l'origine de toutes les manipulations. Il faut prendre les êtres humains pour ce qu'ils sont et leur donner le respect qu'ils méritent. Alors voilà, nous avons parlé sur
parce que voilà, il était question de réfléchir aussi un petit peu entre nous sur ce que nous avions vécu le 14 juin et puis même la veille, puisque ce monsieur était venu invité officiellement à la Martinique par une association. Donc j'espère que ce débat vous a interpellé, que vous allez aujourd'hui vous-même vous transformer en défenseur de votre dignité et que vous allez demander le respect que vous méritez, parce qu'il y a des gens qui continuent à nous prendre pour, j'allais dire, des crétins, peut-être que je ne suis pas loin de la vérité. Nous voulons le respect et nous sommes déjà pacifiques. Donc s'il y a des gens à pacifier, eh bien il faut qu'ils se regardent et qu'ils nous disent comment nous allons arriver à faire rejaillir notre pacification sur eux. Voilà, bonne soirée ou bon après-midi. À bientôt.